réalité ici, toi tu connaissais pas Dieu, une fois que tu as connu Dieu, on a toujours à nous prêcher, donne ta vie à Christ pour être sauvé. Ouais, un peu non. Voilà, donc la première question, vous avez dit qu'on ne donne pas sa vie. On ne donne pas sa vie à Jésus. Un homme qui dit je donne ma vie à Jésus, un prédicateur qui dit donnez votre vie à Jésus, c'est un prédicateur de Satan. Parce que c'est pas écrit dans toute la Bible. La Bible comprend 189 chapitres, 3 millions de lettres, 31 000 versets bibliques. Après un seul iota où vous dites donne ta vie à Jésus. Même Jésus même prêché, il n'a jamais dit ça. D'ailleurs, il dit donnez-moi votre vie. Bon, si les gens le disent, frère, il y a leur raison. Alors on va voir dans la Bible. Si on ne donne pas sa vie à Jésus, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Il est correct selon les Écritures. Premier verset, Jean chapitre 10, verset 11, Jean chapitre 10, verset 28, et Jean 15, verset 16. Les trois versets là vont répondre à sa seule question et on passe à la seconde question. Vas-y frère. Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11. Ça c'est la bouche de que Jésus. Si les gens croient en Jésus, ils vont dire amen à ce verset. Vas-y un peu. Je suis le bon berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger. Le bon berger là. Donne sa vie. Donne sa vie. Ses brebis. Donc c'est pas les brebis qui donnent leur vie au berger, mes frères. Même en sorcellerie, ça n'existe pas. Où une brebis va donner sa vie à un berger. Au contraire, c'est le berger qui se met en peine des brebis. C'est lui qui souffre pour les brebis. Même si la brebis est seule, elle ne peut pas sauver la vie. Mais c'est qui lave la brebis? C'est le berger qui prend soin des brebis. Et ça, c'est ce que Jésus a dit. Mais si toi, tu es enfant de Jésus, tu vas dire amen à ça. Maintenant, celui qui va te dire, donne ta vie à Jésus là. Devant lui, simplement, c'est écrit où? Il va pas monter. Bon, tu dis, madame, parce que si c'est pas écrit, pourquoi tu me blagues? C'est-à-dire qu'il n'aime pas ton âme. C'est des pasteurs qui aiment votre poche, il veut s'enrichir sur votre dos. Cela, il n'aime pas vos âmes. Un homme qui va couper de ses frères, de ses soeurs, il doit leur dire la vérité. Même si c'est choquant, c'est comme ça Jésus prêchait. Quand Jésus prêchait, les gens l'insultaient. C'est pas donne ta vie à Jésus, les gens vont te dire, donne votre vie à Jésus. Mon frère, Jésus vous aime. Tu peux m'insulter pour ça. On va dire aux mensonges. Quand tu dis la vérité à l'homme, il va pas mettre ta tête. Rassure ceux qui aiment la vérité. Vas-y un peu, frère. Je prends le verset là. Jean 10, 11. Prends les notes, hein. Il faut comme tu as copié ta question dans ton téléphone. Prends aussi ton temps. Il faut copier les réponses de la première question. Comme ça, tu vas pas oublier. Tu vas pas poser les mêmes questions demain encore. Alors, on reprend à zéro. Jean 10, verset 11. On ne donne pas sa vie à Jésus. Amen. Mais Jésus est dans le bon berger. C'est lui qui donne sa vie à ses brebis. Le contraire, c'est Satan. Vas-y un peu. Jean 10, 11. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon, c'est le seul qui a parlé comme ça. Mohamed n'a jamais parlé comme ça. Jamais. Bagui n'a jamais parlé comme ça. Zéki n'a jamais parlé comme ça. Le Bouddha a échoué. Jésus se lève de toi, il dit, je n'ai pas dit, je suis un bon berger. Bah, les gens font l'amalgame entre les formes grammaticales concernant le style, direct ou indirect. Les gens comprennent tout. Il dit, je suis le bon berger. On appelle ça en bon français le singleton. T'as dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas de berger. On n'a pas dit que je suis un berger. S'il est un berger, il y a d'autres bergers. Mais dis, je suis le bon berger. En dehors de lui, là, c'est fini de l'enfer. Vas-y un peu. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger. Le bon berger, là. Donne sa vie. Donne sa vie. Pour ses brebis. Les brebis donnent leur vie au bon berger. Les brebis donnent leur vie au bon berger. Donne sa vie. Pour ses brebis. Donc c'est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus, il est le seul, c'est lui seul qui est éternel. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il est éternel, là, il nous communique l'immortalité, la vie éternelle, pour que nous, après la mort, nous n'avons plus vivre éternellement. Nous, on a qu'une vie comme a donné à Jésus. Notre vie est caca, notre vie, c'est pourriture. On a besoin de la vie de Jésus pour aller au ciel. Un homme qui veut donner sa vie à Jésus, frère, c'est un possédé. Il est possédé jusqu'à la moelle épinière. Verset 28. Jean 10, verset 28. Très bien. Mes brebis, entendez ma voix. Très bien. Il dit, mes brebis. Bon, regardez, un homme qui appelle les hommes brebis, il est qui là? Est-ce que même moi, voilà, une fois dit que mes brebis, est-ce que Abraham a une fois dit mes brebis? Moïse a une fois dit ça? C'est Jésus sur le brebis. Attends, qui dit ça? Un homme qui a brebis, qui appelle les hommes, c'est brebis. Il est qui? Dans l'Ancien Testament, Dieu appelle les hommes, c'est brebis. Jésus vient dans le Nouveau Testament, il dit les hommes, là, sont mes brebis. Il est qui là? Quelqu'un qui ne croit pas à la divinité de Jésus, il est privé du ciel, pas au ciel. Alléluia. Amen. Vas-y un peu. Mes brebis, attends ma voix. Mes brebis, il dit mes brebis là, il parle pas des moutons, hein, parle des humains. Vas-y un peu, frère. Mes brebis, attends ma voix. Mes brebis, attends ma voix. Je la connais. Je la connais. Elle me suit. Elle me suit. Continue un peu. Je leur donne la vie éternelle. Attention. Elle me donne la vie. Je leur donne. Non, elle me donne la vie. Je leur donne. Je leur donne la vie éternelle. Et quoi? Ils ne perdront jamais. Ils ne peuvent jamais l'enfer. Personne ne lèvera de ma main. Voilà ce que je lui dis. Et à ça, nous disons amen. Si c'est un enfant de Satan, il va dire c'est pas vrai. Mais chacun est libre de dire ce qu'il veut et de dire qu'il est d'accord ou pas. Nous, on s'en fout. Nous, on est venus prêcher la vérité de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, ils vont croire ce que nous prêchons. C'est pas de Dieu. Même on va dans ta tête, on met 10 000 là, tu peux pas croire. Et ça, c'est la volonté de Dieu aussi. C'est ça.